un petit éléphant est né. Il s'appelle Babar. Sa maman l'aime beaucoup. Pour l'endormir, elle le berce avec sa trompe en chantant tout doucement. Babar a grandi. Il joue maintenant avec les autres enfants éléphants. C'est un des plus gentils. Oh. Et puis là, il s'amuse à creuser le sable avec un coquillage. Babar se promène très heureux sur le dos de sa maman. Le chasseur a tué la maman. Les singes se cachent, les oiseaux s'envolent. Le chasseur court pour attraper le pauvre Babar. Alors Babar se sauve parce qu'il a peur du chasseur. Thank you.
fatigué. Il arrive près d'une ville. Il est très étonné parce que c'est la première fois qu'il voit tant de maisons. Plus de choses nouvelles, ces belles avenues, ces autos et ces autobus. Pourtant, ce qui intéresse le plus Bavard, ce sont ces deux messieurs-là qu'il rencontre dans la rue. Il pense vraiment, ils sont bien habillés. Oh, moi, je voudrais bien avoir aussi un beau costume. Mais comment faire? Heureusement, une vieille dame très riche, qui aimait beaucoup les petits éléphants, comprend en le regardant qu'il a envie d'un bel habit. Comme elle aime faire plaisir, eh bien, elle lui donne son porte-monnaie. Et Bavard lui dit « Oh, merci madame !» Maintenant, Bavard habite chez la vieille dame. Le matin, avec elle, eh bien, il fait de la gymnastique. Et puis, ben, il prend son bain. Tous les jours, il se promène en auto. C'est la vieille dame qui la lui a achetée. Elle lui donne tout ce qu'il veut. Bavard n'est pas tout à fait heureux. Il ne peut plus jouer dans la grande forêt avec ses petits cousins et ses amis les singes. Souvent, à la fenêtre, il rêve en pensant à son enfance. Et
pleure en se rappelant sa maman. Deux années ont passé. Un jour, pendant sa promenade, il voit venir à sa rencontre deux petits éléphants tout nus. Mais c'est Arthur et Céleste, mon petit cousin et ma cousine, dit-il stupéfait à la vieille dame. Papa embrasse Arthur et Céleste, et puis il va leur acheter de beaux costumes. Chez le pâtissier, manger de bons gâteaux. Pendant ce temps, dans la forêt, les éléphants cherchent et appellent « Arthur ! Céleste !» Et leurs mamans sont bien inquiètes. En volant sur la ville, un vieux marabout les a vus. Vite, il vient prévenir les éléphants. Les mamans d'Arthur et Céleste partent les chercher à la ville. Elles sont bien contentes de les retrouver, mais elles les grondent tout de même parce que ils se sont sauvés. Babar se décide à partir à
et à revoir la grande forêt. Tout est prêt pour le départ. Babar embrasse la vieille amie. Il lui promet de revenir. Jamais il ne l'oubliera. La vieille dame reste seule. Triste, elle pense « Quand reverrai-je mon petit Babar ?» Les mamans n'ont pas de place dans l'auto, alors elles courent derrière et lèvent leur trompe pour ne pas respirer de la poussière. Il a été bien malade. Si malade qu'il en est mort. C'est un grand malheur. Après l'enterrement,
Les plus vieux des éléphants se sont réunis pour choisir un nouveau roi. Juste à ce moment, ils entendent du bruit. Alors ils se retournent et là, qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, ils voient Babar qui arrive dans son auto avec tous les éléphants qui courent en criant « Les voilà! Les voilà, ils sont revenus! Bonjour Babar! Bonjour Arthur! Et bonjour Céleste! » Oh, quel beau costume! Quel bel auto! Alors, Cornelius, le plus vieux des éléphants, dit de sa voix tremblante. Mes bons amis, nous cherchons un roi. Pourquoi ne pas choisir Babar? Il revient de la ville. Il a beaucoup appris chez les hommes. Donnons-lui la couronne. Tous les éléphants trouvent que Cornelius a très très bien parlé. Impatients, ils attendent la réponse de Babar. Je vous remercie, dit alors ce dernier. Mais avant d'accepter, je dois vous dire que pendant notre voyage en auto, Céleste et moi, nous nous sommes fiancés. Alors si je suis votre roi, elle sera votre reine. Vive la reine Céleste! Vive le roi Babar! Crient tous les éléphants sans hésiter. Et c'est ainsi que Babar devint roi. Mariage de Babar.
Après le mariage et le couronnement, tout le monde danse de bon cœur. Et c'est la fin.